La combine, 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 la combine. Non, ça c'est une affaire de gros sous, il y a les loups tétés derrière. C'est une affaire d'argent, il voit que le petit Cameroun ne peut pas porter ça. La J.A. Ouh! Oui, 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 oui. Voilà, combine! C'est dans quel pays, là, vous avez dit? C'est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, l'incassable, que combine, ya! Yeah. Voilà, combine! La combine, la combine. On a boxé, boum, boum, boum. On a de l'autre trophée, boum, boum, boum. Oh, bichoum, là, you know. Oh, vous êtes où? Nous avons vécu le match. Oui, oh, la mafia du monde entier. Regardez, voilà ça. La combine, la combine, la combine, la combine. Ils ne veulent pas que le petit Cameroun porte la coupe. Ils ne veulent pas qu'on rentre avec la coupe. On a vu le match. La combine, on l'a boxé jusqu'à. On l'a boxé. Dis la vérité. Il faut qu'ils disent la vérité. La combine, la combine. C'est une affaire de gros sous. Ils savent que les parieurs, les ceci, non, beaucoup de gens vont perdre. Les parieurs ont dit que le gars, s'il devait faire quoi, on a tapé le cas au dit genre. Vous êtes sérieux? Oui. Oh, bonjour, non, c'est ciao. Oh, quand tu as la peau noire, tu es quelqu'un de fini. Oh, ta chose est toujours un jarro. Oui, je parle ma chose. C'est la vérité. Là, nous l'a tapé, l'a mangé le chocolat avant d'aller au terrain. Il l'a tapé. Ça dit qu'il y a 10 rounds. Voilà. La coupe, la, le drapé, ils ne veulent pas que le rond truc là se trouve au Cameroun. Ils ne veulent pas qu'on donne la couronne. Sur... Ouh, on combine. Un groupe de Nzana, Mobo, Yo, Amanyam. Oui. Ils ont dit que le petit Cameroun ne peut pas porter ça. C'est toi le gagnant, mon fils. Sois honnête, hein. Tu disais que tu allais faire boum, boum, boum. On peut donner à quelqu'un comme s'il prend et donne un gano en vrai. Il enlève ça, celui dit que non. Il peut pas laisser ça. C'est la mafia, non? La mafia. La là, paix. La mafia, oh, la combine, la... J'ai dit ça, hoha. Moi, j'ai vu le match, je ne vois pas souvent les combats. J'ai dit que c'est la combine. Arrêtez-moi, venez me taper. Mettez-moi où vous voulez, c'est la combine. Sois honnête, hein. Sois honnête. Tu es tombé au moins 3 fois. Pardon, si les réseaux sociaux ne... Si les... Tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Les gens savent qu'on a fait la marche. Quand tu es noir, c'est un péché. On a vu la combine dans le monde entier. Dans le monde entier, on vient de voir la combine. On comprend. Fury dit quoi? Tu vas dire quoi? Sois honnête. Soyez honnête. Arrête ton chat. Maintenant, tu es content. Les gens sont en train de crier, non? Oui, parce que les gens ont dit qu'il a gagné. Non, il a gagné. J'ai dit que dans le terrain, les gens étaient. Personne n'est fâché du programme. Il n'a aucune bosse, aucune trace. Il a tapé, ça dit que comme il se doit. Un monsieur qui met tout le monde KO. Et la combinée. Est-ce que vous avez vu ce que moi j'ai vu? Moi, je ne regarde pas souvent les matchs. Me voici. Je ne regarde pas souvent les matchs. Mais là, ce que j'ai vu aujourd'hui, là. Ouh, là, c'est la combine. Les Ivoiriens, soyez honnêtes. Voilà. J'ai dit que la combine. La combine. Le match, si la, si on regardait tous les points, ce que le Sénégal. Mais c'est une affaire de sous. Il y a l'argent dedans. Si on donne au Cameroun, le Cameroun, on va faire quoi, nous? Eh, papa, les sponsors, les parieurs, tout ça, les gens vont seulement se couper. Donc, mieux, on donne. Papa, laissons. Nous, on a tapé Fury. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous, on l'a tapé correctement et bien. Mais on donne la coupe à ceux qui ont les gros agents. Nous, on a le petit agent. Ce qui est sûr, c'est ça.
Regardez. Les gens sont calmes au terrain. Les gens ne comprennent pas. Les gens n'arrivent pas à sortir du stade. Les gens sont consternés. C'est la magie. C'est la magie. Le petit dit. C'est une affaire de gros sous. Il y a un peu la mafia, tout ça dedans. Oui, un continent en retard, voilà, c'est nous autres, voilà, c'est un peu ça. Même Fury lui-même, il nomme, il ne peut pas faire autrement. Tout ça, c'est la mafia. Il y a une mafia là, point final. C'est ça, je le pense, ce que j'ai dit. Hé, la paix. Vous allez me faire quoi? La mafia, vous allez me faire quoi? J'ai dit ça. Ouh, vous avez tourné, oh, yeah, vous avez volé la couronne, oh. Oui, li, 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 li. On a mangé le tsoukolo. Il a mis le tarot, il a mis le cuir. Ils vont balancer ça sur Facebook. Voilà. Toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Le gars est tombé devant nous. Nous, on a vu. Moi, j'ai vu tout le match. Hein. Et toi, tu dis la vérité. Regarde sa face, c'est tout magané. Yesh. Yesh. Un racisme en vis-à-vis. Les faux arbitres là. C'est que le arbitre aussi, son poste est menacé. Il va faire comment? C'est la mafia. Tout le monde est déçu, on a vu le combat. Là, ils sont surpris, hein? Ils sont surpris. Moi, je suis étonné de voir la mafia en direct. Les gars sont étonnés, les gars ne comprennent pas. Mais c'est ça, c'est le monde. C'est comme ça qu'on tient le monde. Hein? On nous tourne quelque chose devant nos yeux. Il est étonné, personne ne rit, personne ne danse. Vous allez nous embrouiller avec quoi? Nous, on est là, on a vu. Nous, on a vu le match, vous allez nous embrouiller avec quoi sur cette affaire? Sois honnête, hein. Longo. Nzabonjolo. Sois honnête. Enlève la couronne là, tu donnes au gars là, c'est pour lui. Tu sais que tu lui as fait boum boum boum. Il t'a tapé 10 rounds, prof. J'ai dit que 30 combats, 30 cas auto, voilà. Les journalistes disent la vérité. Regarde comment les gens sont calmes. Normalement, ça devait bouger ici. Tu vois comment ça ne bouge pas, non? Parce que les gens sont en train de rentrer et disent que qu'est-ce qui s'est passé? On va partir en cours. On va... Oui, tout le monde. En tout cas, moi j'ai fait mon direct, j'ai parlé. Vous savez pourquoi ne pas parler, non? Moi, dis-moi tout ce qu'ils pensent. Attends, partir aux hommes. Nous sommes libres. On doit dire ce qu'on peut, on doit s'exprimer. Moi, ce que j'ai vu là, c'est la mafia. On a fait la mafia sur la couronne. On ne veut pas que ça rentre en Afrique. On dit que, gars, notre couronne là n'est jamais. C'est à partir un jour en Afrique. On peut pas. On peut pas. Que les gens ne partent plus voir leur boxe là. Maman, j'ai dit qu'on va, ça dit qu'on va saouler sur ce truc-ci. Ça dit qu'ils vont bouffer l'indjangui, on va s'arrêter sur l'affaire si longtemps. Moi, je n'ai pas fermé ma bouche. Je vais parler jusqu'à. Parce que je vais parler jusqu'à le feu sort. Je ne peux pas laisser l'affaire si. On a gagné, mais vous avez pris le match. Les juges sont corrompus. Les juges sont corrompus. La mafia, la grande mafia. Ça là, c'est comme ça que vous êtes. Quand il a même vu Ngannou avec le drapeau, ils ont dit non, pas ce drapeau, ça ne peut pas descendre dans ce pays-là. Oui, c'est qui est sûr, c'est ça. Si Ngannou était même un pays un peu couleur jaune, qu'il avait même un teint un peu racheté là. Oui, on allait peut-être accepter les nous là. Vous n'avez encore rien vu. Regardez, les gars sont dépassés. Les gars n'avaient même pas souri. Lui-même, tout son camp n'a pas souri quand le match est fini. Tous ces gens étaient comme en train de dire que qu'est-ce qui vient de se passer. On vient seulement soulever sa main. Voilà, ma championne. Voilà un ancien boxeur qui est là, ses yeux sortis, ne comprend pas ce qui se passe. Vous allez dire que quoi? Même pas un sourire dans le visage de son entourage. Tout le monde le regarde un genre pour dire que l'affaire-ci n'est pas claire. On va quand même le saluer. On va te saluer quand même. C'est un peu ça. On va faire l'hypocrisie. Mais félicitations. Mais félicitations quand même. N'importe quoi. Je pense que c'est son futur adversaire. Hein? Oui. C'est son futur. Il a un autre combat après. Avec lui. Je pense que c'est son futur adversaire. La publicité commence. Un nieman. Moi, je regarde jamais les combats, hein, papa, comme tu me vois là. Les choses comme ça, je ne suis pas moi là. Parce que mes organes, mon utérus est fragile, mes intestins, mon foie, tout est fragile. M'ont fait venir voir tout un match. Au lieu de me faire aussi voir la coupe. Pour que c'est une diable, nous mangeons. Trucage. Nanjima. Oui. Votre trucage.
content. Il n'est même pas en train de... Lui-même, il sait dans son cœur qu'elle a fait ici. On va lui dire après ce qui s'est passé. Parce que lui-même ne comprend pas. Normalement, hein, s'il est même honnête, il peut prendre la couple et donner à l'autre. Tu comprends? Non, non, non. Il se tourne et dit, vous savez quoi, hein? J'ai cette gagné, je lui donne la ceinture, mais je reviendrai prendre ma ceinture. Tu comprends un peu? C'est ça la loyauté. Oui, maman, je ne suis pas content. Des tricheurs. Ils ont bouffé. Ils ont bouffé combien de temps de ma vie? Non, non, je dis. Ils ont triché. Ils ont triché. Ils ont bouffé combien de temps de ma vie? Je ne vois jamais les combats de match que tu me vois, des combats de boxe. Moi, voici assise ici de A à Z. Je vois comment on fait tomber, boum, 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 machin là. Boum, boum, fourri là. Voilà, boum, boum, qui prend le tour. Vas-y, le tas de graisse est tombé plusieurs fois. J'ai dit qu'on doit lui faire la chirurgie et la ponction. Maman, on dit que nous-mêmes, on commet ses pièces en pâté comme pour réveiller la paix. Oui, non, 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 non. Oui, non, 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 non. Ouais, vous, comment? J'ai vu la sorcellerie ici. Yeah. Non, ça, c'est la magie. Gagnon a mangé le tout au colo. Il a mangé le tout. Mais bio, quand tu vois les gens là qui avaient, à qui ont attaché leur chapeau, ils avaient parié sur celui-là, le tas de graisse. Donc, il fallait à tout prix qu'ils ne perdent pas leur argent. Ils avaient parié sur lui. Non, je te dis, non, c'est la mafia. Non, c'est la mafia. Il y a beaucoup de sous derrière. Ça, je peux comprendre. Il y a un gros sou derrière. Si même les juges tentaient de faire, on avait destitué les juges. Les juges ont pensé à leur carrière. Les juges ont encore jugé. C'est qui est-ce que c'est ça? Nous, on n'est pas content qu'il gagne l'argent. C'est, notre problème, ce n'était pas l'argent, c'était qu'il tape. Et il a tapé. Il a tapé. Dis, celui qui donne KO, lui fait que les A. Il a tapé. Il a tapé, mon frère. Quand nous la tapons, on avait dit, on nous disait qu'il allait taper dans le seulement dès les premières minutes. Quand nous avons fait 10 rounds avec lui. C'est que cette affaire est tellement compliquée. Il y a une mafia dedans. Qu'un. Le gars, même s'il est même, il peut prendre le truc de Ragano. Mais c'est que comme c'est un truc qu'il faut aussi être dedans. Parce que lui, il était sûr qu'il a perdu. Quand le match est fini, il était lui relaxé. Il était sûr qu'il a perdu. Même là, il n'est pas en train de jubiler plus. Ils sont en train de faire maintenant la publicité pour le prochain match. Tout ça, c'est les sous. C'est les affaires de gros sous. Et la tricherie, oh. Ouh, non, je suis dépassé. Hein, je te jure, ils ont volé le temps de ma vie ici. Le temps de ma vie qu'ils viennent de voler ici là. Non, Mila, on ne fait pas ça. Je suis trop fâché, même. Je suis dessus. Parce que quand moi j'ai vu comment Francis a mis le genou du gars là au sol. Il a mis ses genoux au sol. Ils auraient même pu dire que match nul. Ils faisaient même match nul. Non. La question est, tu vois, dans la maison. En tout cas, quelqu'un dit que quoi? Il y a un gros commentaire. Quelqu'un dit que quoi? La seule chose que vous devez faire, c'est de féliciter toutes les deux grands. Nous, on savait que premier round, Ngannou est mort. Moi, je disais que Wombo, c'était là comme ça, dit que Wombo va toucher seulement l'enfant ici. Parce que le type, s'il met les gens quand au un tour. Donc, moi, il venait voir comment on va finir l'enfant. Et puis, il fait 10 rounds et on félicite les gens. On le félicite pourquoi? Quelqu'un qui passait son temps à embrasser Ngannou. Il passait son temps à embrasser Ngannou au lieu de donner les coups de poing. Là, il y avait beaucoup de sous. Trop de parieurs. Je sens que si les habitants. Les grands parieurs. Ils ne pouvaient pas les faire. Ils allaient perdre beaucoup. Ils ne pouvaient pas. Ils ont parié contre Ngannou. Et c'est pourquoi ils ont donné la victoire à Fury. Mais Fury a perdu. Au Dieu du monde, on a vu. Fury a mis le genou par terre. Pas un tout. Hein. Un autre fait même tomber que sur le rideau. Oui, oui. Le bordure oui, oui. De il est tombé en deux repris. Il est tombé en deux au sol. Oui. Non. Et la combine, oh non! J'entendais souvent qu'il y a la combine, non, mais ça c'est la vraie combine. En direct, En direct, ça dit que le gens, la mafia. Avant, on n'avait pas les images. On n'avait pas les images, maintenant on peut confirmer nous-mêmes. Moi, mais je ne connais pas comment on note les matchs. Mais non, mais elle a même moi je regardais la bosse de Karimo. On avait les vraies images. À la télé ici chez moi, les images étaient en retard. Mais j'avais les images chez moi. Tyson est étonné. Ouais. Ngannou a fait fort. Ouais. Le reste du monde a vu. Même les journalistes ont commencé à consterner. Mais ils vont faire comment? Il y a une affaire de gros sous. Il y a les parieurs, tous les grands jupons, les gens avec les gros foulards, les riches, machin là. Maman, tu connais combien de milliards qu'on a mis sur ça? Si toi, le juge, on te dit que dis comme ça, tu ne dis pas, tu as chaud.
on va me finir avec toi quelque part. La paix. En tout cas, on aime bien. Oui, ma chérie. On va faire comment? Il reste le meilleur. Oui, il reste le meilleur. La ceinture là ne pouvait pas aller au descendre. Ils ont vu la maison de la grand-mère. Ils ont dit que la ceinture ne peut pas dormir. La grand-mère a continué derrière la ceinture là-bas pour leur dire que vous avez triché. Moi-même, je lançais, non, est-ce que je l'ai pris? Moi-même, j'ai dit que j'ai lancé tout de suite, que j'ai commencé à voir qu'on a dit que lui a gagné. D'abord, j'ai lancé, mais je l'ai pris. Ils ont triché, bien. Il n'a pas encore. Il est dans le domaine. Oui. Il n'a pas encore peut-être eu tant de combats, tant de. Mais il a quand même fait le travail. Écoute, le truc, c'est quoi, hein? Ou tu tapes pas. Ah, j'ai dit non, non. Moi, je ne savais pas qu'on comme moi, on dit que c'est très tôt, hein. Je peux t'entraîner 25 ans. Là, ça ne va pas faire beaucoup d'effet pour son prochain combat. C'est mieux que l'autre. C'est ça que je dis que c'est une affaire de gros sous. Ouais, on a mis que c'est pour les sous et la mafia. Ce n'est pas une affaire que. Ça dit, nous, on a compris, tu vois. Et ils ont vu aussi que ça allait aller dans la cuisine de la grand-mère là-bas en terre battue. Ils disent que, l'autre, tu vas descendre là-bas, prendre l'avion jusqu'à faire les correspondances. Non, il veut garder ça de ce côté-ci. C'est un peu ça. On comprend. On comprend. On nous a détourné. Dans ma tête, il a gagné point. Oui, tout ce qu'on a vu que c'était bon. En tout cas, ce n'est plus les gens de boxe d'avant là. On devait seulement nous montrer. Je te dis quoi, les ceintures de Fury n'étaient pas en jeu, mais Ganou était largement au-dessus. C'est vrai que sa ceinture n'est pas en jeu. Il est parti déjà gagnant. Non, on ne peut pas venir faire un combat. On dit que Fury est dans sa discipline. Ça ne veut rien dire. Un gars peut s'entraîner à Bafoussam pendant 10 ans et il se lève, il veut la ceinture de celui-ci. Il suffit que celui qui a la ceinture accepte que viens donc on va lutter. Ce que c'est déjà pas. Tu n'as pas besoin de dire que tu as combien de temps d'expérience. Ou tu tapes ou tu ne tapes pas. C'est comme au premier coup de remettre. Si tu mettais le type là KO, on a dit que quoi? Si premier round là, un gars nous donnait un coup, comme le gars est tombé là, bim là, un bond là. Et mettez KO, on a fait comme on a tout dit que le gars a gagné. Oui, oui. Le problème, c'est que les gens, c'est les gens qui pensaient que mes filles étaient gagnants, ils partaient gagnants. Mais nous qui connaissons comment Francis y connaît, on a compris que ce sera un match. Il a une même chose. En fait, hein, quelqu'un me dit que c'est la règle, que le match c'était juste un match comme ça. La ceinture de Fury était toujours en jeu, c'était pas en jeu. La ceinture n'était pas en jeu. La ceinture normalement n'était pas en jeu. Oui. C'est seulement l'argent. Voilà. Et l'honneur maintenant, alors si c'était l'honneur, pourquoi ne pas dire que le petit a gagné? C'est ça? La ceinture n'était pas en jeu, mais l'honneur. Disons même que c'est un match d'entraînement. Disons même que c'est un match d'entraînement. Oui, c'est ça, on a tout fini. Donc, si même le gars le met KO, on a tout dit que Fury champion du monde. C'est ça, non? Ok. Donc, vous nous amenez, alors on perd le temps. Moi, j'ai mis les organes ici. Mais attends, mon utérus est fragile. Il ne faut pas me faire venir faire les choses ici. Là. C'est comment? Je dois me conserver. Il y a des règles, mais Ganou est gagnant comme la ceinture n'était pas en jeu. Ganou n'est pas gagnant. Un juge a dit que. Non, ils ont dit qu'un juge. Voilà les séquences. Voilà les rangs qui sont là. Voilà les séquences. Je dis, attends, ma chérie, Mila, je veux comprendre. Mila, je veux comprendre. Oui, va le résumé du match. Va le résumé. Les coups ne font que venir, Moi, je ne comprends pas. Bon, la ceinture n'était pas. Je ne sais pas que la ceinture descend au Cameroun. Ok, pas de problème. Mais quand même. Le premier juge a dit que Ngannou a gagné, l'autre est venu dire que Ngannou a perdu. Les deux autres, parce qu'il y a trois juges, non? Le premier a dit oui, les deux autres ont dit non. Donc vous voyez que. Ah non, ça c'est la triche. Ça c'est la triche. Oh!
Mais après là, oublier, quand ça commence les huitièmes, les quarts, les sixièmes, les quarts de finale, c'est fini. On s'arrange, quelque chose là, c'est terminé. Parler de quoi? On connaît comment ça marche. Et la paix. La paix est bien haut, la paix haut, la paix. Oulululululu. On nous a frappés. Oulululu. Oulululu. Oh la mafia. Ngannou est gagnant comme la ceinture n'était pas en jeu. Non, les deux juges ont dit oui et le troisième a donné la décision finale. Ok. Moi, je n'ai pas suivi sur les deux juges. On n'a pas bien vu, hein. On dit que les deux juges ont dit oui, le troisième a donné la décision finale. Donc, comment deux juges vont dire oui et le troisième voilà, a donné la décision finale? Voilà un esprit d'abord qui dit que c'est Christ. Ça fait. C'est vraiment triste. Merci, maman. Finalement, mais je sors en même temps. Eh non, franchement, c'est énervant. Ils m'ont bouffé beaucoup de temps de ma vie, là. Bon, je vous aime, hein, mes fans. Je vous aime.